Je vous propose qu'on commence et puis si d'autres personnes se joignent à nous, ils pourront le faire. Et dans tous les cas, cette conférence est enregistrée, donc c'est vrai que c'est une période de l'année sans doute très chargée pour les personnes, donc elles pourront le regarder en différé. Donc on est très heureux d'accueillir Sylvain Vagnon pour cette conférence. On est très honoré aussi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le champ de l'éducation. Donc il est professeur de sciences de l'éducation à l'université de Montpellier et il a publié énormément d'ouvrages qui pourront vous intéresser, notamment donc des ouvrages sur les pédagogies alternatives, des ouvrages sur l'école en lien avec la nature. Par exemple, l'école dans et avec la nature. Un ouvrage aussi qui s'appelle De Montessori à l'éducation positive. Et puis, son dernier ouvrage qu'il a coordonné avec Siam Schker sur les données probantes en éducation. Et puis, bien sûr, un ouvrage sur la pédagogie solidaire dont il va nous parler aujourd'hui. Donc, on est vraiment ravis de pouvoir t'accueillir aujourd'hui et t'écouter. Et puis, il y aura un petit temps d'échange à la suite de cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Rebecca, pour ton invitation, pour l'organisation, pour ta sollicitude. Puis merci aussi à Guillaume, hein, qui a aussi œuvré pour que tout se passe bien. Donc on va essayer de continuer comme ça. Donc voilà, je vais essayer aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui peut paraître un peu, comment dirais-je, pas totalement dans l'air du temps. Et pourtant, je vais essayer de vous montrer que c'est dans l'air du temps, c'est une question d'une pédagogie solidaire. Et donc, l'idée de cette pédagogie solidaire, c'est d'essayer de vous montrer que même si le mot n'existe pas en tant que tel, hein, on va essayer de voir ça, mais qu'il y a une histoire, il y a des histoires, il y a des pratiques très actuelles et, à mon avis, des perspectives d'avenir importantes parce que c'est l'idée d'une pédagogie qui soit à la fois connectée, inclusive, verte, de solidarité avec tous les membres, justement, vivants, mais aussi leur environnement. Et évidemment, en lien direct avec l'éducation nouvelle, c'est-à-dire ce mouvement de rénovation que vous connaissez du début du XXe siècle, qui a quand même, qui draine encore jusqu'à aujourd'hui énormément de pratiques, hein, et de valeurs, en tout cas, qui me paraissent importantes pour comprendre, hein, un petit peu cette pédagogie solidaire, si on prend ce mot. Alors, dans une, alors je n'ai pas la main, en réalité, je me rends compte que j'ai plus la main en faisant ça. Donc, il va falloir me redonner. Ouais. Voyez, mais voilà, ça y est, c'est reparti. C'est bon, c'est peut-être moi alors. Donc, dans une introduction, je voudrais vous préciser certains points pour cadrer un petit peu ces éléments. D'abord, de dire que quand on parle justement d'une pédagogie, notamment d'une pédagogie solidaire, c'est pas simplement se dire ces quelques éléments disparates, etc., mais c'est vraiment l'idée de très global, en tout cas, de repenser un système d'enseignement et d'un système d'enseignement public, c'est-à-dire d'un enseignement pour toutes et tous. Et c'est là où je ferai un petit peu certaines allusions, c'est-à-dire que d'ailleurs, dans l'histoire, tous ces pédagogues qui ont voulu, en tout cas, changer les choses à l'éducation nouvelle, n'ont jamais pensé à une seule école, mais ont véritablement pensé à renouveler le système complet. Ensuite, il y a quand même cette phrase qui a été utilisée, pas pour l'éducation, mais qui me semble importante aussi, hein, de dire que c'est la marge qui tient la page. C'est sûr que, évidemment, nous allons voir que dans beaucoup de pédagogies dites alternatives au sens large, et j'y reviendrai, eh bien, souvent, ce sont des expériences, ce sont des éléments extrêmement importants qui, vont se faire mettre en place pour comprendre ce qu'est cette pédagogie solidaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce sont des aiguillons, souvent, ce sont des expérimentations, hein, qui se sont faites depuis, dans l'histoire depuis le 19e siècle et qui, nous aident à mieux comprendre aussi comment structurer aujourd'hui, une pédagogie, solidaire. Ensuite, je le redis, hein, c'est que l'idée d'éducation nouvelle, terme compliqué, puisqu'on était, on est au début du XXe siècle, donc nouveau, aujourd'hui, on est quand même au XXIe siècle bien, bien tassé. On voit bien que donc c'est une histoire qui est quand même finalement plus ancienne que ça, mais c'est une vraie colonne vertébrale pour cette pédagogie solidaire, parce que ce n'est pas une utopie. C'est-à-dire l'idée de dire c'est une pédagogie solidaire peut être l'impression, en tout cas, d'une envie personnelle, alors qu'en vérité, je vais essayer de vous montrer que c'est une volonté et c'est une réalité, en tout cas, pour certains systèmes éducatifs, mais aussi pour certaines écoles proches de nous.
Ensuite, l'idée, c'est de fixer ça. C'est-à-dire que quand on parle de pédagogie solidaire, ce n'est pas spécialement des techniques, mais ce sont surtout des finalités, et des finalités de transformation sociale. Il y a des valeurs, on va dire ça autrement, mais le mot est peut-être un peu plus délicat, mais on va dire de finalités. C'est-à-dire qu'on doit savoir où on va. Et on va voir que en donnant en tout cas des finalités, eh bien, on arrive à comprendre aussi que des pratiques sont des outils au service d'eux. Et certaines fois, justement, des pratiques peuvent être se retrouver dans des systèmes, on va dire, très traditionnels. Hein. Et puis, justement, en donnant au contraire une finalité, on va dire, justement, de transformation sociale ou émancipatrice, etc., eh bien, on va lui pouvoir donner à une pratique quelque chose, ici, d'extrêmement fort et de puissant que les enseignants pourront utiliser. Après, il y a un mot qui est souvent utilisé, bien sûr, hein, dans cette logique, c'est la notion de révolution copernicienne, un mot quand même qui est très ambitieux, utilisé par les pédagogues d'éducation nouvelle, qui essaye de dire finalement que le système classique, on va dire, j'y reviendrai, d'abord se fixe sur un enseignant qui sait, et puis sur des apprenants qui on va transmettre des informations, des connaissances, des savoirs, des compétences, etc. Et leur idée, évidemment, c'est de, c'est pas un scoop pour vous, évidemment, mais c'est de retourner un petit peu la situation en notant, en tout cas, que ce n'est pas le savoir, hein, qui est à la base de tout, ce fameux triangle, mais ce sont évidemment les apprenants. C'est-à-dire qu'ils sont aussi des acteurs, hein, de ces apprentissages. Quand on parle d'une pédagogie dite solidaire, ça veut dire que justement, on va s'intéresser avant tout, justement, à ces apprenants qui sont des acteurs majeurs, en tout cas, de leurs apprentissages. Donc, c'est en cela où on voit bien un lien direct, hein, avec cette idée de transformer véritablement quelque chose qui est encore aujourd'hui ancré, hein, c'est-à-dire ce côté un peu descendant. Ensuite, donc, je le rappelle, hein, c'est quand même un courant qui est très vivant et actuel, international d'ailleurs, hein, aussi, on voit, on pourrait dire des courants d'ailleurs, hein, parce que ce sont beaucoup d'éléments ici disparates certaines fois, hein, tous, c'est pas un mouvement complet, mais on voit bien que cette logique ici de la solidarité, hein, qui peut se faire, se retrouve certaines fois justement dans des systèmes éducatifs complets, et puis certaines fois dans des courants qui sont encore alternatifs. Ensuite, l'idée importante, hein, bien sûr, c'est quand on parle d'une pédagogie solidaire, c'est de parler aussi de l'éducabilité de tous, et j'y reviendrai, et de la notion d'émancipation. C'est des mots qui sont un peu lancés là-dessus, mais l'éducabilité de tous, c'est, je vais essayer de vous le montrer historiquement, quand même un combat majeur, hein, d'ailleurs d'être tous capables, hein, ici, justement, de progresser. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, hein, évidemment, dans cette idée de comprendre qu'on a déjà tous droit à une éducation, mais qu'on peut aussi tous, évidemment, progresser par l'éducation. Et donc, on pourrait utiliser aussi ce terme d'émancipation, et j'y reviendrai, qu'elle soit individuelle ou collective. Ensuite, de dire que le mot de solidarité, c'est un fait. C'est un fait. C'est-à-dire historiquement, si on regarde, par exemple, je reparlerai un peu rapidement, mais si on prend les médecins de l'éducation nouvelle que sont Maria Montessori, la plus connue, ou Ovid de Croly, sont des médecins qui vont s'intéresser avant tout à des enfants, on va dire, porteurs d'handicap, mais j'allais dire plus loin, à des enfants qui sont totalement abandonnés. Ovid de Croly raconte dans un des quartiers les plus difficiles de Bruxelles de son époque que des enfants traînent ici parce que justement, avec un problème physique, eh bien, ils sont abandonnés sur un caniveau et qui va les accueillir. Donc, on voit une violence, en tout cas ici, de cette société industrielle du 19e siècle, qui fait marquer aussi à des médecins, pas simplement une empathie, mais ce besoin véritablement de ne pas oublier ceux qui sont oubliés, c'est-à-dire aussi d'abord et avant tout les enfants porteurs de handicap. Et ce sera la même chose pour Maria Montessori. Ensuite, j'ai cité un autre pédagogue moins connu, mais que j'ai beaucoup travaillé, hein, en tout cas, ce qui est Francisco Ferrer, et qui est un éducateur et un pédagogue libertaire, et qui a créé une école dans Barcelone en 1901, ben, ça aussi, c'est pour vous montrer cette solidarité très forte, c'est parce que pour lui, se mettre, venir de France, puisqu'il avait habité pendant 20 ans en France, en Espagne à l'époque, monarchiste, ultra-catholique, tenter une école libre penseur pour tous, pour notamment les fils d'ouvriers, c'est évidemment faire œuvre ici solidaire, extrêmement forte, hein, ici, et c'est pour ça qu'après, plus connus, Élise et Célestin Freinet, en accueillant tous ces enfants républicains, espagnols, orphelins ou avec ayant subi en tout cas des migrations difficiles, c'est une solidarité de fait. Donc ces quelques exemples veulent vous montrer aussi que ces pédagogues ont
cheville au corps, en tout cas, cette idée de solidarité. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement dans une réflexion intellectuelle, mais c'est dans les moments difficiles, et on voit très bien que nous sommes dans des moments extrêmement difficiles aujourd'hui, que se transforme et que se pense, en tout cas, une éducation. Alors, cette très longue introduction était aussi pour vous montrer que quand on parle d'un projet éducatif, et donc on va dire une pédagogie solidaire, c'est aussi un projet de société. Très clairement, on ne peut pas nier que, en tout cas, on ait un projet éducatif qui serait hors sol, en tout cas, par rapport à une société. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a le système éducatif qu'on mérite, mais en tout cas, il est clair qu'il y a une logique très forte, hein, en tout cas, sur cette volonté, en tout cas, de penser aussi le système éducatif, le projet éducatif, par rapport à un projet de société. Alors, l'histoire, là, j'irai assez vite, hein, mais c'est pour vous donner aussi quelques références et quelques noms, parce que ici, on a plus ou moins connus, donc les plus connus, j'irai peut-être presque un peu plus vite. Mais on s'aperçoit que cette pédagogie solidaire, qui s'appuie aussi, je répète, sur la construction hein, de cette éducation nouvelle, ici, et je dirais de pédagogie alternative, bien sûr, ça vient aussi de Rousseau, c'est-à-dire cette idée même, hein, et je développerai pas, mais l'idée même, et on peut très vite discuter, hein, parce qu'évidemment, Rousseau n'est pas un visionnaire sur tout, il n'a pas tout compris, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce ne serait pas un être humain, mais on va dire qu'il a quand même perçu, et c'est une rupture énorme, dans cette idée, en tout cas, d'un statut de l'enfant, d'un enfant, en tout cas, en tant que tel, qui a ses propres caractéristiques. Et ça aussi, évidemment, dans une pédagogie dite solidaire, c'est prendre l'enfant non pas comme on aimerait qu'il soit, mais comme il est. Et ça, c'est un élément ici majeur. Donc, je le place ici, évidemment, comme vocation. Le personnage quand même plus intéressant à mon goût, là, ici, c'est Pestalozzi, qui est finalement celui qui va mettre en œuvre les idées de Rousseau. Une fois que je dis qu'un enfant est un enfant, hein, on est tous d'accord, mais à l'époque, c'est une révolution copernicienne, et ensuite de dire qu'un enfant, bah, il a des acquis, il a des choses, il a des caractères, il a ses propres caractères, il a ses envies, il a ses besoins, il a ses intérêts. Et donc Pestalozzi va proposer une école sur les idées ici de Rousseau. Et là, on a bien, j'allais dire, véritablement le fondateur hein, de ce qu'on peut appeler une pédagogie véritablement solidaire et qui sera aussi un exemple majeur hein, pour tous les pédagogues réformateurs. Alors, ensuite aussi, hein, et là je le cite juste, mais c'est Jacques Otto parce que c'est un éducateur moins connu hein, ici, mais si on va vite, très idéalisé aussi d'ailleurs du point de vue historique, mais on va dire que ce qui est à retenir de lui, c'est que il a eu une discussion, enfin, il a eu une expérience pédagogique très particulière, c'est de faire acquérir en tout cas et de faire comprendre une langue que lui-même ne comprenait pas totalement. Et donc, en réalité, l'idée, évidemment, vous voyez bien la logique de Finet, c'est de dire que un enseignant ne sait pas tout, et ça, c'est une révolution pour l'époque. Et même s'il ne sait pas tout, guider et accompagner des apprenants va, de toute façon, lui qui est adulte, lui permettre, en tout cas, d'être à sa place. Et donc, évidemment, c'est aussi une idée fondamentale, parce que tout enseignant, et notamment jeune enseignant, a toujours tendance à appuyer sur sa légitimité, vient de son savoir, exclusivement de son savoir, et bien sûr que non. Et Jacques Otto, dans l'histoire, est marqué justement par cette idée d'accompagner et de guider des individus, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour leur faire en comprendre certaines choses, tout en restant à sa place, tout en apprenant aussi avec eux, et c'est ça aussi quelque chose qui est ici de l'ordre de la solidarité. Et puis l'autre personnage plus connu, hein, qui est Froebel, qui est quand même, qui va drainer tout un mouvement, en tout cas, d'essayer de comprendre, en tout cas, que le jeu, notamment, hein, le côté qui peut paraître ludique, est une clé des apprentissages. C'est-à-dire aussi s'intéresser à l'individu qui va être l'enfant, l'adolescent, etc., ou l'adulte, mais quand on apprend, essayer de donner un côté aussi important de pas simplement, en tout cas, d'apprendre pour apprendre, mais d'essayer de le faire en incorporant, en expérimentant certaines choses, en agissant soi-même. Évidemment, le jeu est pour lui un élément assez majeur. C'est un personnage qu'on redécouvre constamment parce que justement, on s'aperçoit que, à son époque, et quand même fin 18e, début 20e, enfin début 19e, pardon, on s'aperçoit qu'il met des jalons véritablement fondamentaux sur les apprentissages et sur le fait aussi du rythme hein, qui peut être fait, et puis aussi de la recherche hein, d'outils qui soient non pas simplement de bien-être, mais en tout cas de se comprendre que l'épanouissement d'un individu est lié aussi au fait d'un apprentissage qui serait conforme.
Ensuite, et là j'ai placé deux personnages majeurs pour rappuyer hein, sur mon idée de solidarité ici dans cette logique, c'est Jean Itard et Édouard Seguin. Jean Itard, vous le connaissez parce qu'il y a le film de Truffaut qui est L'enfant sauvage, mais à travers ce film qui est extrêmement fort, Jean Itard donc est un médecin connu, français, etc., et on lui amène un enfant sauvage, phénomène important du 19e, on abandonnait les enfants dans les forêts parce que, hein, c'est le petit pousset, c'est avant, mais enfin c'est quand même l'idée, hein, la mère ne veut pas voir ses enfants mourir, et elle demande au père d'aller les abandonner dans la forêt, ce qu'il ne fera pas, etc., toute l'histoire du petit pousset, on est à l'époque de Louis XIV, mais on voit bien que ça c'est un phénomène majeur, en tout cas qui existe, hein, et qui nous montre aussi la violence hein, aussi de ces sociétés, et donc on amène à Jean Itard un jeune enfant des forêts des Cévennes, donc à côté de Montpellier, et il va tenter de l'éduquer à sa façon, en tant que médecin, justement, bourgeois. Et le film nous montre d'ailleurs la violence hein, aussi de cette éducation, parce qu'il veut l'obliger à avoir des rites, on va dire, bourgeois. Alors, le film est d'autant plus important que François Truffaut, ayant eu une scolarité extrêmement complexe, on va dire comme ça, pour aller vite, en prenant lui-même la figure de Itard, puisqu'il joue Itard dans le film, vous voyez une mise en abîme très complexe de lui qui a été finalement cet enfant violenté. Et là, on voit bien aussi cette différence et ce côté délicat de devenir à un moment l'éducateur. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à travers Jean Itard et aussi Édouard Seguin, hein, qui est un médecin français qu'on a souvent appelé aussi le médecin des idiots, hein, c'est-à-dire justement qui a montré que tout enfant mérite une éducation. C'est-à-dire la force de Itard et de Seguin, qui est une force importante, c'est de montrer que chacun va pouvoir avoir une éducation, en tout cas ce qu'on appelle une éducation, mais grâce justement à cette empathie, à cette volonté aussi de prendre en compte les intérêts et les besoins d'un apprenant, eh bien, on peut arriver à trouver quelque chose, des biais importants et prendre aussi le refus d'une éducation coercitive, d'une pédagogie noire. Donc finalement, et c'est pour ça que là je vais aller vite, hein, c'est que Maria Montessori et de Croly ne sont que la résultante de ces deux personnages. D'ailleurs, les premières pages de Maria Montessori dans son ouvrage, justement sur la pédagogie scientifique, c'est un rappel que, ben, en gros, elle voudrait mettre en place ce qu'a dit Itard et Seguin. Donc la linéarité là ici est très forte hein, dans tous ces personnages, et ça donne d'ailleurs aussi à Maria Montessori, hein, quand même première femme. Docteur en Italie, hein, parce que des fois on a un peu tendance aujourd'hui à la voir un peu en Maminova à cause d'une photo ancienne, etc. Bon, on voit une jeune femme extrêmement puissante qui a une volonté extrêmement forte, qui est obligée d'abandonner son fils quand même pour faire sa carrière. Donc on voit bien quelqu'un qui a une force et qui le retrouvera quand il aura 11 ans. Donc on voit bien une vie aussi marquée, en tout cas dans sa chair, mais aussi marqué par une volonté en tout cas de très forte d'une solidarité avec justement des enfants, et ça je pense que c'est quelque chose qui est fondamental au-delà de toutes les controverses, surtout que du mouvement Montessori aujourd'hui, il faut rappeler que Marie Montessori est morte en 1950, donc c'est du montessorisme on va dire aujourd'hui. Et donc on a la même chose avec de Croly, et là aussi j'ai placé, là je vais vraiment très vite, mais pour vous montrer que tout ça a une logique aussi légitime, hein, c'est-à-dire que là je parle de personnages qui sont une partie du panthéon, quelque part de l'éducation nouvelle et de l'éducation réformatrice, mais on a aussi tous les psychologues hein, ici qui vont nous permettre là aussi de légitimer hein, certaines fois aussi des choix sur le bien-être hein, ici d'un enfant, cette nécessité en tout cas d'avoir un apprenant qui est dans de bonnes conditions pour apprendre. Et là, je ne développe pas évidemment, mais la logique même de développement, de cycle de développement, etc. pour être fait. Mais là, évidemment, c'est pas du tout l'enjeu de ma discussion. Tout ça pour vous montrer que je pourrais multiplier les exemples comme ça. Vous n'avez pas un personnage parmi tant d'autres. Vous avez des milliers de personnages hein, qui, pendant tout le 19e et le 20e siècle, sont des réformateurs et tentent justement de repenser véritablement cette pédagogie parce que justement ils font un reproche. Et je vais y venir tout de suite. Il y a une critique, et c'est pour ça que la pédagogie dite solidaire, elle a quand même, elle est en critique hein, sur quelque chose de fort. C'est d'abord une critique récurrente que j'ai écrite ici sur ce qu'on va appeler l'école caserne, c'est-à-dire de dire finalement l'école, elle est coercitive. Alors évidemment c'est dur, hein, école caserne, etc. Ils utilisent, mais quoi ? C'est-à-dire qu'on veut faire des futurs travailleurs, on veut faire
certaines fois des futurs militaires, hein, de la chair à canon, et c'est ça en réalité. Et donc c'est une critique qu'on retrouve depuis le 19e siècle, hein, dans tous les réformateurs justement qui essayent de penser autrement un peu cette pédagogie en tout cas, et d'essayer de voir en tout cas qu'il y a une volonté de repenser en tout cas cette école. Et puis là je reprends un peu ce pédagogue belge, hein, de Croly, qui en 1905, fait un article, tout petit article, mais extrêmement violent, où il dit finalement, non seulement cette école caserne, elle existe, mais c'est elle qui va créer des anormaux. C'est elle qui, en vérité, par ce côté coercitif, ce côté de ne pas de prise en compte des besoins et des rythmes de l'enfant, et donc de refuser une solidarité, en vérité aussi, avec tout un chacun, eh bien, c'est ça qui va créer des anormaux, et c'est pas l'inverse. Donc, pour vous montrer ces critiques qui sont extrêmement fortes, j'ai essayé de prendre deux petits textes assez simples ici pour comprendre les choses. C'est un texte de Claparède, qui est un pédagogue suisse, et qui écrit un ouvrage qui s'appelle « L'école sur mesure », où justement, dans ce petit passage, il précise que finalement, quand on a un vêtement, alors là, par contre, on fait attention, on va regarder, on est grand, on est petit, on est plus gros, etc., et donc on va avoir un tenue qui nous va. Par contre, quand on pense à l'école, alors là, par contre, on fait pas attention, c'est la même pour tout le monde. Donc finalement, l'image est un peu amusante quelque part, mais enfin, elle est très claire là-dessus, c'est-à-dire qu'il prône une école qui prend en compte aussi la différence aussi de chacun. Hein. Ici, on pourrait parler d'une école inclusive au sens très large des choses, mais on pourrait parler aussi d'une école aussi qui tient en compte la singularité de chacun. Et l'autre élément, évidemment, parce que c'est un texte que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est ce petit texte de Ferrière, qui est un autre pédagogue suisse et qui écrit un texte qui s'appelle « L'école active », hein, donc qui est quelque chose d'important. Il écrit en 1922, mais enfin, il l'a écrit avant la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre lui a empêché de publier, en réalité, cet ouvrage. Et dedans, il fait une petite métaphore, hein, qui, finalement, nous résume un peu tout ce que j'essaye de vous raconter ici. Et donc, il dit « Sur les indications du diable, on créa l'école. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles closes. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fait en sorte qu'il n'y ait aucun but. Il aime bouger, on l'obligea à se tenir immobile. Il aime manier les objets, on le mit en contact avec les idées. Il aime se servir de ses mains, on ne mit en jeu que son cerveau. Il aime parler, on le contraignit au silence. Il voudrait raisonner, on le fit mémoriser. Il voudrait chercher la science, on la lui servit toute faite. Il voudrait s'enthousiasmer, on inventa les punitions. Alors les enfants apprirent ce qu'ils... jamais appris sans cela, ils surent dissimulés, ils furent trichés, ils surent mentis. Donc, une diatribe extrêmement forte, hein, on voit sur l'école classique, mais qui, et c'est pour ça que j'ai essayé de vous l'écrire comme ça, reprend d'ailleurs un petit peu l'idée de Croly, finalement on crée des anormaux ici, ou en tout cas on les oblige à mentir et ici à tricher. Mais vous voyez qu'on pourrait, bien sûr c'est très manichéen, mais vous voyez que l'idée commence par on aime la nature, on fait une salle, on aime une activité, eh bien au contraire, on lui donne pas de but, on lui donne pas de sens, etc. Et là, vous avez un ensemble complet, en réalité, des reproches qui sont faites. Et finalement, vous avez aussi la construction de ce qu'est une pédagogie différente, nouvelle, active, aussi solidaire, qui puisse être prise en compte. Si je résume ça très rapidement, et on le voit bien, c'est d'abord l'idée de prendre en compte l'individu en tant que tel, c'est-à-dire une éducation dite intégrale, c'est-à-dire à la fois... Le reproche majeur hein, ici de tout le monde, c'est de dire on prend en compte la tête, c'est clair que l'école prend en compte la tête, mais où est le cœur et où est le corps? Et donc, cette idée d'une éducation intégrale, c'est de la prise en compte aussi du corps et du cœur dans donc des émotions, de l'affectif, etc., du côté moral aussi, qui peut être pris dans cette éducation. Et c'est ça la clé, en réalité, d'une pédagogie solidaire aussi, c'est de prendre en compte l'individu dans sa globalité et en tant que tel. Ensuite, de prendre en compte, et là j'appuie rapidement, mais c'est assez clair là-dessus, il me semble, c'est de prendre en compte les besoins et les intérêts des enfants. Hein, c'est-à-dire ici de voir cette logique même, hein, c'est très discutable sur certains points, mais on voit bien que dans les mots hein, qui sont pris, dans les mots d'intérêt, de motivation, évidemment, on va arriver à quelque chose et c'est fondamental aussi pour penser une pédagogie ici solidaire. Ensuite, prendre en compte, et ça, ce qui a été dit là dans le texte de Ferrière, hein, c'est la singularité aussi de l'enfant, enfin de ici de Claparède, et puis aussi de prendre en compte que l'enfant est un être social. On a bien compris, évidemment,
qu'il est à la fois singulier et qu'il a besoin hein, d'être avec les autres. Et c'est en cela où justement ces pédagogues vont parler d'autonomie, hein, c'est-à-dire à la fois bien se connaître soi-même, mais aussi se connaître par rapport aux autres, hein, c'est-à-dire d'être en lien. Et ça s'apprend aussi d'être. C'est complexe évidemment pour un enseignant parce qu'il est toujours sur le fil du rasoir. Parce que oui, il y a des individualités, mais oui, il y a un groupe aussi. Donc pour lui, de ce côté-là, c'est quelque chose à prendre en compte. Puis de l'autre côté, évidemment, c'est aussi un apprentissage à être soi-même, hein, à se connaître aussi, et aussi d'être au regard des autres et aussi d'être avec les autres, et c'est en cela qu'on est un être social. Bien sûr, si je poursuis, si je le traduis un petit peu hein, pour faire aussi sur aujourd'hui, c'est bien sûr d'être dans la confiance et dans la bienveillance, des mots qui ne sont pas utilisés au début du XXe siècle, mais confiance oui, bienveillance non évidemment, mais c'est la logique, c'est ça qui est dit derrière, et c'est pour vous montrer que ce que je vous raconte n'est pas quelque chose de mort historiquement, mais qui est bien quelque chose d'extrêmement fort, parce que derrière, c'est bien une éducation inclusive au sens large. On pourrait aussi discuter du mot ici. Alors, pour poursuivre, c'est aussi pour vous montrer qu'au XXIe siècle, justement, cette pédagogie solidaire, c'est aussi c'est très compliqué parce qu'il y en a beaucoup hein, ici, des pédagogies alternatives. C'est-à-dire qu'on voit très bien que beaucoup de pédagogies dites alternatives s'opposent toujours à ce que je vous ai montré tout à l'heure, se veulent les héritières de l'éducation nouvelle. Il y a les courants Montessori, de Crowley, etc. Et donc ça, c'est une évidence hein, qu'on retrouve ici là-dessus. Mais on a aussi quand même aussi des nouvelles pédagogies alternatives, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui un bouillonnement, et j'y reviendrai tout à l'heure un peu sur l'école dehors, justement, et cette idée d'une école qui a une forme scolaire différente, parce que ça transforme aussi, c'est pour vous montrer aussi qu'on est dans une mutation complète, et cette solidarité avec justement son environnement, avec les animaux, enfin avec les végétaux, c'est quelque chose qui draine aussi cette logique. Et puis aussi, justement, hein, je le remets, c'est pas une opposition doctrinale avec les systèmes scolaires publics. Bien au contraire, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette logique hein, ici, on voit bien que des pays prennent en compte, alors on sait que les pays scandinaves ont eu cette sensibilité hein, beaucoup plus forte hein, justement de prendre en compte certains éléments de solidarité, pas totalement non plus, mais on voit bien que c'est pas une opposition, et là je prendrais par exemple le mouvement Freinet, a été à l'extérieur du système éducatif et se trouve aujourd'hui à l'intérieur du système éducatif français. Donc ça prouve bien que c'est pas une opposition doctrinale, encore une fois, mais effectivement, il y a une ligne de fracture qui peut se faire. Après, j'utilise bon, très vite le mot de butinage, hybridation pédagogique, parce que en gros, on se rend compte, c'est pour ça que je m'étais, entre guillemets, un peu amusé sur le livre « Pédagogie solidaire », en disant tout de suite, je veux pas recommencer un nouveau mot, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui se forment. Mais en tout cas, l'idée, c'est de voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles qui se créent ne sont pas nécessairement liées à un pédagogue, c'est-à-dire qu'elles cherchent justement à répondre, en réalité, à un point de vue beaucoup plus large, qu'on peut appeler une solidarité, justement, avec son environnement et entre les êtres. Et c'est pour ça que je parle de butinage, parce que souvent, on voit bien que ces écoles, quand on lit leurs projets, bah, elles se réfèrent comme ça, en disant, bah, c'est vrai que dans la pédagogie Montessori ou dans la pédagogie Freinet, on trouve des éléments qui, mais nous ne sommes pas, et donc on a des écoles arc-en-ciel, plein air, enfin des mots souvent d'ailleurs un peu comme ça qui peuvent apparaître plus pétillants, mais l'école pétillante d'ailleurs est une école ici ici près de Montpellier. Enfin bref, ils cherchent des mots, mais on voit bien que derrière c'est pas une volonté de se mettre dans un courant précis, mais en tout cas d'être ici dans une sorte d'hybridation, mais avec un sens fort à mon avis ici. Bienveillance et positivité, c'est pas des gros mots, hein, et justement là. Je vais très vite parce qu'encore une fois, c'est pas l'objectif de ce que je voulais vous montrer, mais on voit bien que les débats hein, très actuels, hein, on remet en cause en tout cas cette idée de bienveillance envers l'enfant et particulièrement impressionnant et peut faire peur justement parce qu'on peut se demander où est-ce qu'à un moment on peut penser que cette malveillance en tout cas peut apporter quelque chose. Enfin, quand on sait que en France aujourd'hui encore un enfant meurt tous les 5 jours des coups d'un proche, c'est quand même une réalité. Donc il faut arrêter aussi certains mots veulent dire quelque chose, et quand on parle de bienveillance, c'est un mot évidemment où la solidarité est extrêmement forte. Bien-être aussi, je ne développe pas, mais toutes ces pédagogies dites alternatives se fixent là-dessus. C'est-à-dire de dire que l'épanouissement d'un individu, et j'allais dire la finalité même d'être bien-être, pas simplement peut-être d'être un bûcheron heureux plutôt qu'un cadre de 40 ans avec un burn-out, est aussi un élément extrêmement important pour créer une éducation aussi et se dire que cette éducation a une logique.
Aussi, là, parce que c'est des choses que je liste un petit peu, mais que je ne développerai pas, mais que vous voyez bien ailleurs aussi, c'est aussi cette idée qui va avec l'éducation intégrale, mais si je le traduis aujourd'hui un petit peu ici, c'est de prendre en compte des apprentissages dits informels, c'est-à-dire aussi de se rendre compte de la puissance, en tout cas, pas simplement d'apprentissage formel, scolaire, etc., mais du côté de cette, de lier en tout cas la sociabilisation ou même le développement personnel, en tout cas, qui peut être fait dans des apprentissages informels, dans des relations qui peuvent être faites et qui sont aussi importantes, en tout cas, ici, et qui prennent en tout cas une intensité, en tout cas, dans cette idée de solidarité. On sait très bien que c'est pas simplement voir quelqu'un à certains moments, mais il y a à côté, justement, d'une sensibilité qui peut apparaître, une empathie, hein, qui se fait par aussi ces apprentissages informels. Et donc l'éducation intégrale, un mot important, mais ici qui est, bon, je ne vais pas y revenir ici, mais qui est un enjeu de débat, hein, encore ici, hein, qui n'est pas accepté en tant que tel, et puis qui est repris aussi par certains groupes. Mais je pense que c'est, là j'essaye d'y travailler souvent, sur cette éducation intégrale, parce qu'elle a une vraie histoire, hein, aussi, et avec des courants réformateurs et même révolutionnaires qui ont utilisé ça, en voyant bien que nous étions face à quelque chose qui marque justement cette solidarité entre les êtres. Et j'appuie aussi sur le rôle des familles parce que, évidemment, quand on parle de tout ça, qui dit solidarité, dit aussi solidarité, aussi de lien avec les familles. C'est-à-dire que l'éducation intégrale, c'est aussi la prise en compte qu'un individu n'est pas simplement dans la période scolaire, mais il est aussi dans le reste du temps et notamment dans sa famille. Et on voit bien que dans ce développement d'une pédagogie solidaire, c'est bien aussi une importance, hein, de lier ce qu'on appelle la coéducation, c'est-à-dire un lien avec les familles. Alors, pour vous montrer par petites touches comme ça impressionniste, c'est que il y a des pratiques pédagogiques quand même spécifiques qui peuvent se retrouver. Évidemment, qui sont celles de l'éducation nouvelle, de l'éducation justement active, hein, mais qui aident en tout cas à cette solidarité dont je viendrai tout à l'heure. D'abord, par exemple, l'observation. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est une des clés, on retrouve ça partout, c'est-à-dire que on remet en avant l'observation. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, hein, on voit bien que dans les écoles, on dit oui, il faut observer, etc., mais on s'aperçoit que les pédagogies les plus solidaires, on va dire ici, et les plus nouvelles, ont toujours pris en compte l'observation comme un moment extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est une phase fondamentale, longue, en tout cas ici. Et l'observation, ça veut dire, ça peut prendre des formes très, très différentes, hein. Il ne s'agit pas d'exprimer toujours, hein, tout de suite, mais de prendre son temps aussi, d'avoir un rythme différent. Et ça veut dire aussi, si vous me suivez, de prendre la singularité d'un individu, hein, ici, qui va pouvoir observer, penser des choses différentes aussi. Et puis évidemment, un moment où on va pouvoir être dans le groupe, hein, ici pour essayer de comprendre certaines choses. Et c'est intéressant parce que cette observation, ce que certains avaient appelé à un moment la pédagogie intuitive, enfin il y a plein de mots là-dessus, ça marque aussi une démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on voit bien que toutes ces pédagogies utilisent souvent trois axes qui sont des axes justement qui s'interpénètrent. En réalité, ils sont pas là, on les met un, deux, trois, mais c'est pas un, deux, trois. C'est que j'observe beaucoup, hein, énormément. Je dissèque en tout cas ce que j'observe, et puis l'observation au niveau de la sensation. Puis après, j'associe parce que là, je vois quelque chose et je vois ce paysage. Pour moi, il m'émeut, il m'émeut pas. Il me rappelle quelque chose, il me rappelle ma grand-mère, il me rappelle pas du tout ma grand-mère parce que je vois pas du tout ce que c'est, etc. Mais en tout cas, j'associe ou je n'associe pas, mais je place certaines choses. Donc, je pose des hypothèses, en fait, c'est ça l'idée. Et après, je peux m'exprimer. Et là aussi, j'ai mis expression au pluriel parce que toutes ces pédagogies, justement, mettent en avant le rôle d'une expression, certes écrite, privilégiée dans le système classique, mais aussi orale et artistique, créative, etc. Bon. Donc, on a ici une logique importante parce que vous voyez qu'il y a des outils, hein, et là, je pourrais vraiment le développer, mais qui montrent en tout cas une volonté d'avoir des outils au service de quelque chose. L'autre aussi, bien connu, c'est ce qu'on appellerait des centres d'intérêt, ou alors on peut appeler ça une pédagogie de projet, c'est de se rendre compte, et c'est très en phase avec notre société, c'est que le matin, vous ne vous réveillez pas parce que vous pensez histoire, géo, maths, français. Non, vous avez un problème à résoudre, vous avez des choses comme ça, et peut-être qu'une mise en perspective va vous aider historique, pas toujours des fois, hein, voilà. Moi, je suis historien, mais je pense pas à l'histoire tout le matin au soir, hein, et j'en ai besoin à certains moments, et c'est vrai que je vais privilégier ça, moi, de mon côté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une solution et d'autres éléments. Et j'ai besoin du reste. J'ai besoin de la géo, j'ai besoin du français, j'ai besoin des maths, j'ai besoin de la science, etc. Et cette idée-là des centres d'intérêt, bah, elle se retrouve dans ces pédagogies justement dites solidaires. Et là, on voit bien que le système finlandais, en essayant
d'écarter en tout cas le poids lourd, et notamment dans le second degré français, des disciplines scolaires, des disciplines quand même qui ont été construites, hein, qui n'existent pas en tant que telles. On est bien d'accord qu'on, voilà, encore une fois, on ne pense pas français, maths, etc., mais on les a construites, hein, du point de vue social. On voit bien qu'aujourd'hui, ben, cette idée, en tout cas, de réfléchir par centre d'intérêt est assez fondamentale, parce que justement, par exemple, par l'alimentation, par le travail, par différentes choses, on peut à la fois comprendre et faire un programme complet. On se dit bien qu'avec l'alimentation, on peut tout faire. On peut faire une année complète et ça se fait. Et ça aussi, hein, quand je dis ça peut se faire, mais ça se fait. Donc, ça veut dire que c'est de ce côté-là et les résultats sont extrêmement bons. C'est ça aussi une pédagogie dite solidaire. Je continue aussi, c'est-à-dire que c'est des mots, hein, mais derrière les mots, je pense que ça fait écho, hein, pas mal de choses que vous voyez. C'est l'idée d'expérimentation, c'est-à-dire clairement faire, alors on va dire acteur de son savoir, etc., mais on peut dire surtout, on va faire expérimenter les enfants, expérimenter les adolescents, etc. Quand on expérimente, on s'en souvient. Voilà, quand on vit quelque chose, quand on marche quelque part, ben, on s'en souvient mieux que si on l'a lu ici dans un manuel scolaire. Dans un livre, on peut l'avoir lu, c'est très intéressant, mais on se dit bien ici que cette expérimentation, et là l'exemple souvent de l'imprimerie qui est utilisée, ben, Freinet utilise l'imprimerie pas simplement pour aider à faire un journal, mais c'est la conception du journal, c'est le fait de travailler ensemble, le fait d'être avec les autres, etc., de mettre en place une sorte ici de coopération extrêmement forte. Justement, et pour ouvrir, hein, ici, pour essayer de tenir le temps, c'est de vous montrer aussi que ce que je vous raconte là, dans cette pédagogie dite solidaire, bah, elle a des excroissances. C'est pour ça qu'encore une fois, la difficulté de mon propos, c'est que la pédagogie dite solidaire n'existe pas en tant que telle, mais par contre, elle se nourrit énormément. Ce que j'ai essayé d'écrire dans un ouvrage, c'est qu'elle se nourrit de tout ça. Et par exemple, depuis quelques années, le développement véritablement de l'école dehors, vous retrouvez tout ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire qu'on voit très, très bien que c'est historiquement quelque chose qui existe. Par exemple, là, je vous ai mis des écoles de plein air. C'est pas nouveau, hein. C'est dans les années 30. C'est une volonté de faire sortir l'enfant. Il y a un côté hygiéniste, etc., de l'époque, hein. On est après la Première Guerre mondiale. Les enfants ont beaucoup de maladies, il faut le dire. Il y a une mortalité. Eh bien, on s'intéresse au bien-être, hein. On s'en intéresse pas comme aujourd'hui. Mais on voit bien qu'il y a une solidarité qui est faite aussi avec ces enfants, avec une ouverture très, très forte. Et puis, dans cette logique, c'est pour ça que je vous ai pris d'autres exemples d'écoles dehors, hein, c'est que l'école dehors a la forme de ce qu'on a besoin. Donc, la première que je vous ai mise, c'est une école de mère, qui est très connue parce que c'est une école de Barceloneta, donc ce quartier de pêcheurs, en tout cas de Barcelone, qui, dans les années 20, les pédagogues se rendent compte que finalement, ces enfants fils de pêcheurs ne connaissent pas la mer, ne savent pas l'utiliser. Donc, il faut une école de plein air, si vous voulez, mais de pêcheurs, c'est-à-dire de leur apprendre à voir la mer, ce qu'on apprend tout avec la mer, et tout le système va être mis justement là-dessus. Et ce qui va être extrêmement important, c'est que les parents vont s'intéresser à ça, parce que le pêcheur, lui, il connaît pas nécessairement tout, il sait pêcher, ça c'est sûr, mais il connaît pas tout, en tout cas de la mer, et donc on voit bien que la forme, évidemment, était extrêmement forte par rapport à ce qui pouvait être fait, et il peut y avoir aussi des choses, exemple des forest schools qui n'appartiennent pas totalement à notre culture, mais qui ont existé aussi. Là, je vous ai pris aussi un exemple espagnol, hein, pour montrer qu'il y en a eu un peu partout. Donc, l'idée de ce que je vous dis là, c'est aussi de voir qu'il peut y avoir des formes, hein, très, très différentes, et que cette école dehors, qu'on essaye un peu d'uniformiser, a toujours existé, hein, clairement, et qu'elle a mis en place, en tout cas, elle a tenté, en tout cas, de préciser les choses. Là, je vous ai pris des photos exprès anciennes pour mettre en perspective, et là, j'ai un exemple belge, un exemple français, un exemple luxembourgeois, et qui nous montre bien que cette idée-là, et on voit bien là, de faire de la musique, mais en même temps de danser, hein, dans l'idée aussi de Dalcroz, etc., de penser en tout cas le corps et la musique et le faire dehors, bah, évidemment, ça veut dire qu'on va avoir le vent, le souffle, etc., et tout ça va rentrer en compte. Le fait d'avoir aussi, on le voit à côté, une mare en tout cas qui sert, hein, c'est une discussion encore aujourd'hui d'écoles qui revégétalisent, mais qui ont du mal en tout cas, ils estiment qu'il y a un risque en tout cas, donc on a trouvé un peu des solutions, mais on voit bien qu'à l'époque, c'était quelque chose d'assez naturel, hein, de mettre justement des éléments naturel, encore une fois, pour que les enfants soient en phase aussi avec un environnement, qu'ils le connaissent, en tout cas, notamment ici la vie des poissons ou des animaux qu'on voit dessous. Et puis, je vous ai mis aussi, vous l'avez vu plusieurs fois dans mes photos peut-être, c'est relax là, bah aussi, c'est prendre le rythme biologique de l'enfant. Alors là, ils sont là, ils vont pas faire une sieste, mais ils vont se reposer. Alors là, c'est une photo luxembourgeoise.
et belge, pardon, et on voit bien que c'était quelque chose d'assez fort, hein, c'est de dire qu'en début d'après-midi, effectivement, l'idée, quand il fait à peu près correct, mais même quand il fait pas très chaud, hein, c'est-à-dire de se reposer un peu, prendre un peu un rythme qui ensuite va nous permettre de pouvoir progresser. Ça aussi, c'est important, et là, cette image, elle me semblait intéressante, parce qu'on voit qui parle ou qui parle pas, qu'il y en a qui peut se reposer, etc. C'est pas la sieste imposée, mais c'est aussi un moment aussi qui permet de se ressourcer. Ça aussi, c'est une idée forte, évidemment, d'une pédagogie dite solidaire. Donc, les images multiples et variées, hein, je pourrais vous montrer, on voit bien que cette école dehors, peut-être qu'on pourra en reparler, nous donne en réalité aussi la logique et une ouverture, en tout cas, sur aujourd'hui cette nécessité d'une pédagogie dite solidaire. Et quand je dis ça, ben justement, c'est d'essayer de vous montrer un peu l'ensemble, hein, dans cette conclusion aussi, c'est de voir qu'il y a une complémentarité de toutes les formes scolaires de ce qu'on est en train de se raconter. L'idée de solidarité, c'est de dire justement qu'il y a la salle de classe qui existe, hein, et c'est clair, et l'idée, c'est pas de dire on va les enlever, mais on voit bien que l'extérieur, par exemple, peut aider, hein, et c'est pour ça que j'utilise aussi ce que dit De Croly en disant la classe, c'est quand il pleut, parce que justement, il dit, bah, c'est pas la classe qui est mauvaise, mais moi, dans mon objectif, il y a des moments où sortir, c'est important. Et ça, c'est une logique ici assez fondamentale. Deuxième chose, c'est évidemment rechercher le lien avec l'extérieur, l'environnement, la nature proche. Voilà. Ça aussi, c'est une solidarité. Hein, je vais y revenir à toute chose peut-être plus politique, mais là, on voit bien sûr l'idée même de connaître son environnement, d'être solidaire ici, de pas se dire qu'on est dans la domination de l'environnement. C'est quelque chose qui est assez important. Historiquement, quand même, cette domination de l'homme et cette conquête, en tout cas, que l'on croit en tout cas de la planète, est quand même quelque chose qui est de l'ordre aussi de cette solidarité avec le reste. Donc, éducation intégrale, je n'y reviens pas, je l'ai dit. Bien-être aussi, parce que, et ça, c'est votre... vous savez exactement de quoi vous parlez, hein, parce que justement, c'est des bienfaits qui sont reconnus, pas que pour la santé, justement, hein, mais là, je l'ai mis parce que j'en ai besoin. Mais ici, on voit bien, ce sont des bienfaits. C'est-à-dire que tout ce qu'on se raconte là, encore une fois, ce ne sont pas des utopies. C'est-à-dire que c'est bien des choses où on sait quand même une réalité, hein, des faits, et on peut de manière être surpris que ça ne se fasse pas énormément. Et encore une fois, l'idée d'un levier pour des apprentissages. Quand j'ai parlé au début de pédagogie solidaire, c'est d'être solidaire, bien sûr, avec les autres êtres vivants, avec soi-même d'ailleurs aussi, mais c'est aussi de se dire que c'est des leviers, parce que justement, c'est la prise en compte de choses très concrètes. C'est-à-dire un enfant, par nature, justement, va aussi à un moment chercher les autres aussi, va voir certaines choses, et ça s'apprend aussi d'être avec les autres. Et évidemment, être avec les autres, c'est aussi une notion de plaisir. Et là, vous voyez que j'ouvre très large parce que, justement, on a une autre notion importante. On aurait pu prendre celle du risque, mais là, celle du plaisir. C'est qu'on voit très, très bien que, à deux possibilités de leçons ou d'autres, on voit bien qu'il y a une notion très importante d'une motivation qui est liée à son propre plaisir. On voit bien que quand des enfants racontent une classe promenade, chacun a trouvé des choses différentes, et souvent, ben c'est des choses que certains pédagogues ne vont pas apprécier parce qu'ils vont dire que c'est de la diversion, mais c'est pas de la diversion. Ils ont entendu un oiseau, ils ont entendu quelque chose qui leur permet aussi de se rappeler d'un moment donné. Hein, et du point de vue historique, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Et puis aussi, là j'ajouterais quand même ça vraiment pour conclure, c'est qu'à mon avis, cette pédagogie solidaire, c'est aussi une réponse à des menaces très actuelles. Quand je dis menaces, c'est des menaces, c'est une réalité. D'abord, face à un dualisme social. On voit bien que nous subissons un repli sur soi, un entre-soi, ici, qui a toujours existé, hein, même si là, le ministère veut un développement de la mixité sociale, c'est vrai que ce serait temps, parce qu'effectivement, on a une logique très forte ici d'un dualisme social dans nos sociétés ici. Il y a les défis environnementaux qui, indéniablement, quand je dis solidarité, bah évidemment, ça prend une importance, à mon avis, assez fondamentale. Hein, ici, c'est un défi, évidemment, majeur qui va nous faire transformer, en tout cas, et fondamentalement, notre façon de voir les choses, puisque de toute façon, comme tout enseignant, on ne peut absolument pas dire à un enfant comment le monde sera dans 20 ans, et à mon avis, c'est une nouveauté énorme. Hein, c'est-à-dire qu'un enseignant se fixait quand même sur quelque chose. Là, aujourd'hui, ça serait quand même de l'ordre de l'escroquerie de raconter comment le monde sera dans 20 ans. Donc, ça veut dire que ça nous ouvre aussi à cette idée importante peut-être d'incertitude, mais aussi de fixer, hein, certains éléments et avec des valeurs, notamment celle de la solidarité. Donc, je répète aussi ce refus de l'altérité, hein, mais ça, c'est évident, mais aussi cette montée de l'intolérance des croyances et des discriminations. Très clairement, il faut le prendre en compte.
quand un moment, et là, ça se voulait un petit peu plus rude, c'est-à-dire quand on voit évidemment comment sont accueillis des migrants, comment sont accueillis aussi des mouvements extrêmement forts, eh bien, on voit bien ici que notre système éducatif n'est que la résultante, en tout cas notre société est la résultante de notre système éducatif, et que évidemment c'est assez terrible de voir en tout cas notre incapacité, en tout cas à saisir en tout cas une hiérarchie et une importance en tout cas d'autres éléments. Voilà, donc pour conclure de conclusion, c'est clairement pour moi, à mon avis, et j'essaie de vous le montrer, et j'espère que j'étais assez clair là-dessus, c'est qu'à mon avis, on est face à un défi majeur, en tout cas ici, et c'était aussi un peu l'idée du livre qui se voulait un peu alerte là-dessus, et puis l'idée aussi d'une urgence, parce que je pense que très clairement, les menaces que je vous ai dit ne sont pas que des menaces, on voit bien que c'est une réalité aussi qui sont faites, et c'est donc une nécessité, en tout cas, de repenser, en tout cas, notre façon d'enseigner, mais aussi notre façon de voir un petit peu l'éducation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sylvain pour cet exposé très complet, très clair, vraiment passionnant. Je vais peut-être arrêter voir s'il y a des questions dans la salle peut-être ou en ligne. Vas-y là. Oui, vas-y. On ne peut pas tirer. Hein, Merci beaucoup pour cette présentation qui est passionnante et c'est vrai que c'est un sujet qui devrait tous nous concerner. La question que je me pose, c'est au-delà du constat et de la prise de conscience qui commence à infuser un petit peu dans les cercles éducatifs aussi, la question que je me pose, c'est comment faire concrètement, parce que les enseignants, ils ont une charge énorme, ils n'ont pas toujours la possibilité de faire une thèse en sciences de l'éducation, ils n'ont pas le temps matériel, ils ont énormément de pression de toutes parts, des enfants, des adultes, des parents, de l'administration et tout. Et est-ce qu'on a des pistes concrètes pour aider les enseignants à progresser dans cette direction-là? Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Il y a deux choses. Déjà, quand je dis c'est un peu une nécessité, etc., donc c'est vrai que ça peut donner l'impression du constat. Bon. Il y a de ça maintenant, c'était le 18 mai 2023. Là, vous avez une grande réunion de l'UNESCO qui a placé un pacte pour l'éducation avec des vraies perspectives nouvelles du point de vue international, en montrant que de toute façon, nous ne pourrons pas, enfin tous les systèmes éducatifs ne pourront pas continuer comme ça. Et donc, dans cette réunion, je crois qu'ils étaient 140 pays représentés, les deux tiers ont estimé qu'ils changeraient leur programme dans les 3 ans, notamment en prenant en compte des éléments, et notamment les défis environnementaux. Ça vous dit que ça bouge déjà. Voilà. Donc, je trouve des fois que ça là-dessus. Puis maintenant, si je reviens à votre question, je vous explique pourquoi j'ai fait ça aussi, c'est parce que c'est vrai qu'au niveau des enseignants, vous avez totalement raison, c'est vrai qu'ils se trouvaient être à la fois les pivots, parce que c'est par eux que ça changera. Et puis d'un autre côté, ils ont des éléments encore contradictoires. Il faut dire quand même ce qui est, avec des pressions multiples et variées. Mais c'est là où il va falloir que notre gouvernement le comprenne bien. Mais je vous le dis encore une fois, comme c'est au niveau international, on voit bien que c'est pas simplement de l'ordre de la proposition. Ça va s'imposer. En tout cas, on le voit bien. Et j'allais dire que du côté des enseignants, c'est ce côté humble. Pourquoi j'ai terminé sur l'école dehors? Parce que vous voyez que par l'école dehors, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne, qui se développe, on voit bien ici. Du point de vue humble, essayer de montrer justement aux enseignants que, s'agit pas nécessairement de retourner la table, mais d'avoir une logique. Quand j'ai parlé d'observation, d'expérimentation, c'est pas des choses, c'est pas des scoops, c'est ce que fait un enseignant, mais simplement de lui donner un sens qui est un peu différent. Et ça, vous voyez, c'est pour ça que c'est plus de l'ordre de l'inflexion, ce que j'essayais de vous raconter. Et j'ai fait exprès de vous montrer, c'est pas on va tout changer, ça va pas du tout, etc. Non, non. Et c'est pour ça que l'école dehors est un bon exemple, à mon avis, parce que on voit bien que ça bouge, ça fait bouger. Dans l'académie de Poitiers, on dit qu'il y a un enseignant sur 5 fait de l'école dehors. Bon, alors, c'est un peu l'académie pionnière, donc on donne ce chiffre. Mais ça veut dire quand même que ça bouge. C'est-à-dire que ça bouge de ce côté-là. Donc, vous voyez, j'essaye de vous montrer que c'est pas quelque chose, je rajoute pas une pierre à l'édifice en disant ça, même si en disant le mot pédagogie solidaire, ça n'existe pas, le mot en tant que tel, mais de dire quand même, donner une finalité aussi quand même différente à la façon dont on fait. Ça veut dire pas nécessairement
transformer tout d'un coup, et l'enseignant ne pourra pas le faire. Par contre, on va voir des changements qui seront. Je vous donne un exemple aussi très précis. Végétalisation des cours de récréation, c'est quelque chose qui est obligé par la loi depuis 2021. Toutes les communes militantes le font actuellement, militantes écolo, etc., ou progressistes, mais on voit bien que de toute façon, toutes les communes vont être obligées de le faire. Bah, c'est un levier. C'est un levier typique de justement d'une pédagogie plus solidaire. C'est typique de que les enseignants doivent le savoir. Vous voyez, c'est pas leur demander de changer les choses là, mais ils doivent le savoir pour être proposés aussi aux communes en leur disant là, il nous faut un jardin pédagogique par exemple, parce que ça va être un outil majeur pour comprendre certaines choses. Voilà. Donc je réponds autrement. Vous voyez, c'est le but, c'est pas de donner en réalité des choses nouvelles encore une fois aux enseignants, mais leur dire voilà, on est dans une situation quand même très particulière, où les collectivités locales vont être obligées de changer les choses, et je répète, toutes les collectivités locales, et en plus au niveau international aussi, donc il va y avoir une pression de ce côté-là, c'est l'occasion d'avoir des leviers et des outils pour essayer de donner une finalité un peu différente hein, aussi à l'éducation. Merci. D'autres questions dans la salle ? Moi, j'ai une petite question. C'est pas du tout dans la même classe d'âge, mais est-ce qu'il y a des liens avec la pédagogie qui est faite dans les écoles d'informatique type 42 ? Alors, faut que vous m'expliquiez. Hein. Alors, l'école 42, bah, c'est Xavier Niel hein, qui fait ça, donc oui. qui a fait une école d'informatique. Il y a très peu de profs. Et c'est surtout basé sur la coopération entre les étudiants, et ça laisse sa chance à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut tenter sa chance dans cette école. Donc, n'est pas sûr d'être accepté, mais il n'y a pas de prérequis de bac ou quoi que ce soit. Donc, il y a un aspect solidaire, mais d'un autre côté, c'est hyper spécialisé. Donc, c'est pas de la pédagogie transversale, on va dire. Donc, je sais plus comment vous dire. Mais est-ce que ça, c'est le genre de pédagogie qui, pour vous, va dans le bon sens? Alors, je vais là aussi, vous allez voir, c'est pas que je veux pas répondre, c'est qu'en réalité, justement au début, j'ai commencé à dire justement qu'il y avait deux éléments. Il y a un système global, on va dire, public, et moi je pense que tout ne peut s'en transformer que par le système public, parce que c'est lui qui, en réalité, où tout le monde va. Et il n'empêche qu'à côté, il peut y avoir des expérimentations, des expériences, etc. Donc, par exemple, c'est ce qui se passe avec des écoles alternatives, etc. Je vous dis ça puisque Rebecca était à une soutenance de thèse de doctorante où justement son travail était quand même sur l'intégration de pratiques alternatives dans le système public. Donc, d'essayer de montrer, etc., comment on peut introduire du yoga, comment on peut, etc., introduire justement l'école dehors, enfin, etc. Donc, c'est cette idée d'utiliser quelque part aussi hein, des expérimentations. Donc celle-là, par exemple, là elle est un peu particulière parce que là je vois l'idée, c'est que vous avez quelqu'un qui essaye aussi de dire, bah c'est une sorte d'école de la seconde chance, c'est aussi une école aussi en puisant sur certains éléments. Alors c'est vrai que vous avez totalement raison. Par exemple, vous avez utilisé le mot de coopération. Bah vous voyez, là oui c'est compliqué, c'est que le mot de coopération appartient véritablement à l'idée d'une pédagogie solidaire. Simplement, si je veux coopérer entre nous pour tuer le voisin, là, je suis moins solidaire. Hein. C'est-à-dire que c'est de la coopération, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de la coopération d'entreprise. Donc, c'est là où c'est vraiment très délicat. Par exemple, la coopération en elle-même n'est pas progressiste en soi. C'est-à-dire que vous avez des pays vraiment et des systèmes qui prônent ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses très internes. Donc, ça veut dire que, par exemple, là, et là, c'est pas pour faire un procès d'intention à ce genre d'école, parce qu'au contraire, c'est l'air de dire aussi peut-être que le système public, enfin, plutôt le système éducatif qui fait que à partir de 20 ans, 22 ans, 23 ans, on s'arrête, par exemple. Et puis qu'on puisse pas reprendre ses études, par exemple, ça c'est un non-sens aujourd'hui. On est tous d'accord que nous allons être obligés, tous les 10 ans normalement, de revoir un peu nos connaissances. Notre société évolue tellement vite que, par exemple, il faut revoir tout ce système-là, ce qui est un gros problème chez nous, puisqu'on n'a aucune formation continue, etc. On sait aujourd'hui qu'on ne va pas rentrer dans une entreprise et y rester 40 ans. Bon. Donc, tout ça fait que, justement, vous voyez, hein, ça fait évoluer certaines choses. Donc là, par exemple, en l'occurrence, qu'il y ait des tentatives, alors le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit des tentatives quand même mercantiles, etc., mais je pense qu'il est intéressant, en tout cas, de voir certains éléments qui peuvent se mettre en place, parce que, justement, encore une fois, ça, c'est ce que l'exemple donné, bah, c'est pas une école, on va dire,
nécessairement solidaire en soi. Il faut voir un petit peu dans le détail, il faut préciser ce qui peut être fait. Mais en tout cas, l'idée de dire, on essaye aussi de voir autrement, et ça, ça explose partout, hein, évidemment, c'est extrêmement important. Moi, je pense que le système public doit puiser justement aussi différents éléments, avec quand même des éléments de structuration. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, l'éducation tout au long de la vie, c'est quelque chose qui est quand même à être connu. Notre système n'a pas prévu ça. Ça change complètement notre système éducatif. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que ça veut dire aussi que c'est pour ça que je vous ai parlé un peu de valeurs derrière, hein, de solidarité, de d'épanouissement aussi de l'individu, etc. Mais aussi ça veut dire aussi des transformations pensées en tout cas tout au long de sa vie et de se dire il faut qu'on apprenne aussi à renouveler nos propres connaissances. Voilà. Ce qui est complètement nouveau, hein, par rapport à il y a encore 40 ans, hein, quand même. Quelqu'un pouvait tenir avec ce qu'il avait appris à l'école. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien on tiendra pas. On tiendra, mais je veux dire, ça va être très compliqué dans une société qui bouge énormément. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? Madagascar. J'avais peut-être une dernière question alors pour terminer, Sylvain. Pour pouvoir opérer cette transformation qui est vraiment importante pour aller vers une école solidaire, quelle serait la meilleure façon, on va dire, de procéder? Est-ce qu'il faudrait redonner finalement beaucoup plus de liberté à chaque école et que ça puisse partir d'un projet construit par chaque école? Ou est-ce qu'il faudrait revoir la question des programmes ou comment on pourrait aborder une démarche qui irait dans cette direction? C'est une très, très vaste question. L'idée que chaque école ait son projet, donc en gros l'autonomie des établissements, c'est quand même ce qui se fait dans beaucoup de pays. Fièrement, aujourd'hui, en France, ça ne se fera pas, et j'allais dire que la situation n'est pas prête. C'est-à-dire que c'est aussi un élément important du comportement. C'est-à-dire qu'on sait que si on fait ça, là, on va avoir encore plus que ce qu'on a, c'est-à-dire une ségrégation qui va se faire. Il y a un très, très gros risque. Alors que, encore une fois, ça serait la logique même. Enfin, en tout cas, c'est vrai que intellectuellement, et on voit bien que tous les pays, d'ailleurs, depuis la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, tout le monde fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, on voit bien qu'un parent va choisir en tout cas un projet d'école. Ils parlent du projet. D'ailleurs, quand on leur parle, je suis allé dans telle école parce qu'il y avait tel projet. Enfin, ce qu'on n'entendrait pas en France. Donc, mais on voit bien que là, il y a ça qui est un peu compliqué. Sur les programmes, je vais peut-être dire quelque chose qu'on n'attend pas. Moi, je les trouve pas mal, les programmes. C'est-à-dire que si on regarde les programmes français, si vous voulez, ils évoluent, ils se modifient, etc. Par contre, c'est la mise en œuvre de ces programmes. C'est-à-dire que si un enseignant n'a pas la main, doit être obsédé par l'idée qu'il faut qu'il finisse ce foutu programme, on contrecarre complètement tout ce qui est à faire. Je pense que tout viendra en réalité de l'échelon de l'enseignant, lui redonner déjà confiance, parce que c'est quand même un gros problème, lui préciser, et ça c'est un gros travail de formation, que sa connaissance ne vient pas, enfin son autorité, ou on va dire en tout cas sa légitimité ne vient pas que de son savoir, mais aussi de sa façon d'être et d'incarner aussi, c'est un mot important aussi là-dessus, une incarnation de quelque chose. Et puis aussi, il faut le dire, une transformation aussi des finalités. Et on voit bien que il y a quelques années, moi j'avais été frappé parce que le gouvernement avait demandé à ce qui s'appelait à l'époque, c'était pas le commissaire du plan, de donner quelles seraient les finalités de notre système. Donc c'est un frappant, parce que ça date de 2016, je crois. C'était de dire qu'un gouvernement se dit, au fait, c'est quoi la finalité? Et dedans, grosso modo, il y en avait trois. Il y avait la finalité dite professionnelle. Donc il disait, il y a une finalité professionnelle, on prépare à faire que la personne, elle fera dans un système professionnel, etc. Il y a le deuxième, je vais très vite. Le deuxième, c'est de dire, c'est l'épanouissement de l'individu. Donc c'est plutôt les systèmes nordiques, etc. Puis le troisième, il disait, c'est une sorte de culture commune, et c'est plutôt nous, c'est-à-dire la citoyenneté, etc. Et le rapport était pas mal parce qu'à la fin, il disait, finalement, on divise, mais on divise pas. On fait toujours les trois. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va privilégier?
On voit bien que les pays du Nord vont privilégier plutôt l'épanouissement de l'individu, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas non plus une culture commune et qu'ils ne font pas un appel au fait que bah, plus tard, on sera dans un métier, qu'on apprendra, etc. Mais ils font ce choix. La Corée du Sud, elle fait un autre choix. Elle fait un autre choix, c'est préparer un métier, etc. Et puis, bon, on fait que ça. Nous, là-dessus. Et c'était intéressant, c'est que si vous voulez, à la fin, c'était de dire, eh oui, c'est un choix. C'est un choix à faire. C'est-à-dire que là, de la finalité, elles sont plutôt en complémentaires. Certes, on a eu besoin à un moment de faire ce développement d'une culture commune qui est important, mais est-ce que justement on peut pas aussi à certains moments glisser, etc. Et dans ce que je vous raconte, ce que je trouve, j'essaie de montrer à mes étudiants, c'est que dès qu'il y a une mesure qui tombe du gouvernement, ils peuvent la replacer dedans. Il y a des choses qui ramènent à des filières, à des choses professionnelles. Il y a des choses qui amènent, il faut le dire quand même, sur aussi l'épanouissement de l'individu, effet de la connaissance, etc. Il faut le dire. Enfin, et puis de l'autre côté, il y a un élément de culture commune. Mais on sent que on est quand même à la, pas à la croisée des chemins, mais on sent qu'il y a voilà, un gouvernement démocratique a toujours du mal aussi à il faut pas choisir un, il faut hiérarchiser. Voilà, je mettrais ça plutôt à cet ordre-là, plus qu'au niveau des programmes qui ont leur propre sensibilité. Merci beaucoup pour tous ces éclairages vraiment très utiles. Et merci encore pour ton temps, Sylvain. Merci. On sera ravis de continuer à suivre tes travaux et puis à lire tous ces ouvrages très utiles. Donc, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous tous, en tout cas. Merci pour votre présence.